Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne du 22 novembre 2018. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se retrouve comme toujours pour 20-30 minutes aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de news, donc ça devrait être super long. Oui, bah il dit ça à chaque fois et tout. Bon, allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant bien évidemment nos tipeurs. J'ai oublié hier de remercier Ken Geno qui... petit coup de 10 cafés, qui est 12 cafés, je crois 10 ou 12 cafés, qui manquait, ce qui nous permet d'avoir 300 cafés ce mois-ci. C'est pas mal. Qui sera le prochain? Ainsi va la vie. Ainsi est la prochaine question. Bien évidemment. Allez, on remercie également nos YouTubeurs. Je vous rappelle, on vous met pas de pub sur YouTube. Par contre, ceux qui veulent le faire et qui veulent nous soutenir peuvent aller sur Utip, peuvent regarder une petite pub de 30 secondes et ça nous rapporte un petit peu. Vous pouvez regarder jusqu'à 3 vidéos par jour, apparemment avec deux navigateurs différents, ce qui fait, bon, ça fait 10-15 centimes par jour, tu vois, ça fait vite 3-4 euros par mois, par membre, et ça fait vite des petits pognons, et voilà, on est déjà ce mois-ci à 221 euros. Merci à vous, namasté, l'intérêt, ça serait peut-être d'arriver à en vivre, et peut-être après de passer le palier supérieur, c'est-à-dire d'avoir un monteur... en local, voilà, mais ça c'est marqué sur Tipeee, on a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Allez, aujourd'hui, pas énormément de news, et pourtant, il y a quand même un peu de la news. Alors, je vous rappelle, vous retrouvez cette émission en podcast, machin, tout bien, normal, mais surtout sur YouTube, tant que ça fonctionne. Ah, mais ça va fonctionner, ne vous inquiétez pas. Allez, on parlera aujourd'hui de... Allez, on commence par la première news, aujourd'hui en Thaïlande, c'est Loy Krathong. En tout c'est Loy Krathong. Voilà, bah, elle le fait beaucoup mieux que moi. Bon, voilà, c'est Loy Krathong. Voilà, donc la fête de l'eau. Alors, en fait, quand on reste sur Wikipédia, on se rend compte que c'est beaucoup plus obscur. Pas dans le côté obscur de la force, bien évidemment. Mais dans le côté où, en fait, personne ne sait vraiment trop ce que c'est. C'est que maintenant, c'est devenu une traduction. En fait, on met des petits paniers en feuilles de bananier dans l'eau. On met une petite bougie dessus, on leur met. Et du coup, la version de ma copine, c'était « Il faut y aller ce soir pour nettoyer les esprits, faire une offrande au dieu de l'eau ». Ce qui est bien marqué là-dedans à Framae Kongkra, voilà, qui fête une offrande de l'eau, mais à la base c'est surtout la fête des lumières. Alors la fête des lumières pour certains, pour les Chinois c'est la pleine lune, donc du coup on va avoir les petites lampiotes machin qui s'envolent et tout. Et pour les autres c'est, voyez, on met cette célébration a pour origine en Inde, dérivant de la fête hindoue ou Diwali, durant laquelle la déesse de Gange et remercié par des antennes floquantes pour avoir dispensé la vie tout au long de l'année. Alors soit on dit merci, soit on se fait pardonner, soit on met des lanternes, soit voilà. Bon, l'essentiel c'est qu'on va aller le faire. L'essentiel c'est d'être bien avec tout le monde, hein. Là-haut surtout, d'être bien avec tout le monde, hein. Et Shiva et les Bouddhas et les Ganges et les dieux ébénistes et tout. Hop, on fait tout bien comme ça, tu sais, faut se fâcher avec personne, hein. Donc du coup on ira ce soir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas en live, on est en différé, c'est que bah du coup on va chercher ma mère, on ira manger ensemble, du coup on va manger indien, tu vois, ça tombe bien, la déesse de Gange, on est à fond dans le dossier. On va aller manger et après on ira bien évidemment acheter notre petit bateau en banane. oui, c'est de l'arbre de bananier, c'est marqué. Donc notre petit bateau en banane, on mettra une petite bougie, machin, hop, on l'allume et hop, on la fera naviguer sur l'eau et voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux, hein? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir dans la vie maintenant? Voilà, donc ça c'est la première news, c'est machin. Après, peut-être la deuxième news, c'est apparemment le nouveau... Alors, nous on reçoit plus les news, enfin si, normalement on reçoit les news, mais on les traduit plus. Ils font chier que leurs news, là, ceux-là ils sont nuls. Ils racontent n'importe quoi dedans. On avait traduit ça, heureusement, enfin je mets GLG via Humidigi, parce que sinon, à chaque fois les mecs disent, non, ok. Alors, ils teasent un petit peu leur nouveau Humidigi One Max, qui ressemble quand même un petit peu fortement au... alors, soit au mien de moi-même, il me reconnaît pas, hein, pas toujours. Voilà. Soit au mien de moi-même, le Humidigi... Alors non, ça c'est le Huawei Mate 20X, que vous verrez en review mardi. C'est une putain de bombasse, ce téléphone-là, vous imaginez même pas à quel point je suis comme un dingue, tellement qu'il est bien. Il ressemble aussi également fortement au... surtout à celui-là. Parce qu'en fait, c'est vrai que il y a un Nova 3i qui est sorti qui ressemble un petit peu à ça, hein. Même contour, même caméra. Les caméras à l'arrière, ça reprend vachement l'idée de ce qu'on a vu, par exemple, sur le Huawei Y9 2019 que vous verrez demain sur GLG Review. Il y a les liens en bas, hein. Vous abonnez bien aux deux chaînes pour être sûr de rien louper. Bon, après, on n'en sait pas grand-chose. 6,3 pouces. Comme le Nova 3i.
Oui, parce que je rappelle, le Nova 3, oui, le Nova 3i fait 6,3 pouces. Voilà, pareil. Full HD, batterie 4150, 128, ça a l'air pas mal hein, quand même sur le papier. Hein. C'est vrai que Umi, ils sortent un peu les doigts du huc hein, quand même. Hein. Le téléphone, il est quand même. Comme ça, il a l'air quand même assez plaisant. Tu vois ce que je veux dire? Faut voir à combien ils vont le vendre. Il y a de la concurrence en face. Je vous rappelle, demain, vous verrez le Y9. C'est un Huawei 167 €, tu vois ce que je veux dire, 200 € sur internet en commande machin. Et apparemment j'ai vu, et c'est ce que j'avais pas vu quand j'ai fait la review, parce que les vendeurs AliExpress vous mettent directement les services Play Store et tout dedans et les multilingues et tout. Ça veut dire qu'il doit y avoir de. Vu que nous on peut arriver à l'avoir en Thaïlande en version globale, la ROM elle doit traîner quelque part. Donc ils arrivent directement. Donc 167 € un Y9 que vous allez voir demain, ou même 200 €, tu vois ce que je veux dire, 200 € un Huawei. 6,5 pouces avec écran Full HD, batterie 4000, hein, gna 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 gna. Oui, mais la ROM elle est bidouillée. La ROM elle sera pas moins bidouillée qu'un UMI. Pour ceux qui ont eu un UMI, c'est ce que je veux dire. Même une ROM un peu en attendant, et encore vu que la version nous elle existe en global, donc la ROM elle doit bien traîner quelque part. Donc là ça va commencer à devenir compliqué pour les petits fabricants chinois, que si leur truc il fait bah, il fait plus de 200 boules, bah, 200 boules entre un UMI Digi et un Huawei, je veux dire. On peut être fan de la marque Humidigi, il y en a, mais on peut dire quand même à ce prix-là, ben voilà quoi, le Huawei il fait quand même des photos qui sont quand même pas dégueu, photos de nuit, il y a une mise à jour, il y a la ROM, machin, bon, à voir, encore une fois, il faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir acheté le fusil. Oui, ben c'est tout nouveau, écoute, hein, on a le droit de... mais voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Alors on a eu un recontact concernant King 7. Alors attends, je regarde si c'est elle qui m'a écrit parce que j'ai un message en attente. Le Nokia est encore. Alors voilà, donc on va bien recevoir le Nokia X6. On n'est pas arrivé à avoir le X7, hein, pas encore. Unbox Therapy l'a eu, lui. Bah c'est normal, il a peut-être 10 millions d'abonnés. Mais nous on a demandé le X7, mais on va déjà avoir le X6 en attendant. Bon, le X6 ça permet quand même d'avoir un Nokia 2018. Moi ça m'intéresse de savoir que vaut Nokia en 2018. Donc on aura bien le X6 pour commencer, donc peut-être on l'aura la semaine prochaine, ça permettra d'enquiller une review, de faire un peu plus de la marque et de savoir que vaut Nokia en 2018. Je pense que c'est vraiment la question ultime, où moi j'aimerais bien, enfin moi faire un test comme je les aime, parce que je fais les tests comme j'aurais envie de les voir. Regardez au niveau de la performance, au niveau de la photo, au niveau de la qualité, au niveau du haut-parleur, machin, qu'est-ce que vaut Nokia en 2018? Est-ce que c'est juste chinois avec un peu de Nokia dedans dans la ROM? Ou est-ce que c'est vraiment encore un petit peu vraiment des super bons smartphones, machin et tout? Bon, comme on lit tout et n'importe quoi, je veux dire, comme tout le monde est corrompu, et ben voilà, on ne peut juger que sur son propre avis personnel. Voilà. Voilà, donc King 7 qui est une marque de lunettes. Alors je les mets pas les miennes parce que les miennes sont polarisées et du coup mon écran LG lui est anti-polarisé apparemment et je ne vois rien dessus. Donc ça m'arrange pas parce que j'ai deux écrans, je vois rien. Donc du coup j'ai remis mes vieilles lunettes à 2 balles parce que voilà, là l'écran HKC on voit bien avec les lunettes polarisées mais le LG on voit rien du tout. Preuve que voilà. Bon voilà. Donc King 7 ont été très contents de ma vidéo. La première où je dis que où je les portais machin et tout. Donc déjà elle était contente, elle voulait me contacter. Entre temps, bon bah, j'ai fait une vidéo où j'ai préparé mais parlé de mes deux paires de lunettes, la King 7 et les autres marques machin en mode transparent. Donc j'ai envoyé la vidéo, elle m'a dit très contente, on n'a pas vendu fou, on a vendu 4 paires. Mais bon, on a quand même vendu 4 paires, c'est ce que je veux dire. Donc elle était plutôt contente et elle va m'envoyer un pack avec plusieurs lunettes. Alors elle met Somme Glacis, ça veut dire plusieurs lunettes, c'est ce que je veux dire. Alors est-ce que une paire de lunettes, ça fait une paire, ça fait deux déjà, gauche et droite. On verra, mais après, bon, je sais pas, ça vaut 10 balles, si elle en envoie 10, ça lui fait 100 balles. Ça lui fait pas un budget de dingue et nous, ça permet de faire de la vidéo et de promotionner un peu la marque. Donc c'est le premier fabricant qui a envie de faire quelque chose, qui on aura toujours pas d'argent hein, malheureusement, mais on aura des lunettes gratos, voilà. Quitte à vous les faire gagner, à vous les envoyer après, on verra comment on peut gérer un peu le dossier, mais voilà, c'est une des premières marques qui veut avec GLG Vidéo. GLG Review c'est un autre dossier, mais GLG Vidéo c'est pas mal. On a eu la vidéo, on a fait la vidéo aussi d'une caméra espion Full HD format pocket aujourd'hui sur GLG Vidéo, une toute petite caméra comme ça en métal. Le mec était super content, il me dit on a regardé avec pourtant bon la vidéo je peux pas dire que bon, c'est pas terrible. Pour moi, personnellement, la vidéo est pas terrible. C'est un mode déballage, on leur demande pas d'argent, mais à côté, on fait pas une vidéo de dingue. C'est-à-dire qu'on se met en mode caméra, on parle un petit peu de...
Attends, je vais mettre comme ça parce que ça me perturbe. On met un peu face caméra, on parle un petit peu du produit, machin, on a la caméra vue dessus, on fait un zoom, donc c'est vrai qu'on voit ma gueule, on voit le produit, on met là, j'étais dehors, on a fait une vidéo qui casse pas trop pattes un canard à la gueule, tu vois ce que je veux dire. On a pas fait d'enregistrement vocal, on a fait le minimum pour dire que ça soit gratuit. Le mec était super content. C'est vrai qu'ils ont fait deux vidéos chez d'autres personnes, un où le mec il a 20 000 produits et il comme Linus, il passe 30 secondes dessus, voilà. Et une autre où, bon, la vidéo est pas mal, mais elle manque peut-être cruellement de dynamisme ou quelque chose. C'est filmer ses mains et filmer dehors, bon, bah, ça manque cruellement du petit truc qui fait que la vidéo, elle est un peu chiante, tu vois. Donc, du coup, dans la vidéo, elle est vachement bien, truc, c'est la meilleure. Bah oui, il y en a trois en même temps, c'est pas difficile, mais j'aurais été la seule, j'aurais été la meilleure aussi. Mais voilà, j'étais très content. Alors, après, je sais pas s'ils m'en enverront d'autres ou pas, après, ça dépend d'eux. Moi, j'ai pas trouvé la qualité vraiment dingo, ce que j'ai dit dans la vidéo, mais comme ils comprennent pas l'anglais, pour eux, la vidéo est géniale. Après, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre beaucoup, mais comme j'ai mis dans un titre bien putaclic, piège tes voisins, non, piège tes amis et ta voisine, je me suis dit avec un titre bien putaclic comme ça, on devrait y arriver. Bon, demain, donc du coup, demain on aura la vidéo du Huawei Y9 2019 que tous ceux qui me suivent sur Tipeee, bah, tous ceux qui m'ont payé un café sur Tipeee, ont reçu la vidéo aujourd'hui. C'est un peu le deal, c'est-à-dire que les reviews, pas les vidéos, parce que comme j'en fais une par jour, ça me prend beaucoup trop de temps à les faire, machin, à les envoyer, mais les vidéos de GLG Review, vous l'avez sur Tipeee aujourd'hui. C'est-à-dire que si ce soir vous voulez me payer un café, vous allez sur Tipeee, vous payez un café, vous êtes dans News, vous pouvez voir la vidéo de demain. Donc ça vous donne une petite exclusivité, comme ça, ceux qui veulent payer un café, ils l'ont 24 heures avant tout le monde, ceux qui veulent pas, vous attendez demain, vous allez voir la même chose, mais vous l'avez pas avant tout le monde. Voilà. Donc vidéo du Y9 2019 qui, au prix que je l'ai payé, parce que là je l'ai acheté avec votre argent, et qui sera à gagner du coup, encore une fois avec votre argent, 167 euros en Thaïlande. Je suis désolé, mais il n'y a pas mieux. Voilà quoi. Après, oui, mais le Xiaomi Redmi Note. Ouais, non, bien d'accord, ok. Redmi Note 6, Redmi Note 5, machin. Là, il y a quand même le petit côté vision de nuit, la petite batterie 4000 et tout. Voilà, il est bien. Il est franchement bien, le téléphone. À 167 euros, je veux dire. Sur Internet, AliExpress, 200 euros. Avec la ROM globale, machin et tout. Bon, bah, 200 balles, voilà quoi. Je veux dire, si tu veux absolument, et vous verrez, même il y a un mode nuit pour faire des photos de nuit. Donc, j'ai pas insisté là-dessus, mais on a fait des photos la nuit sans le mode et avec le mode. Vous allez voir que il y a vraiment des choses qui sont intéressantes sur ce téléphone-là. À 200 balles, tu vois ce que je veux dire. On l'aurait mis à 300 balles, les gens disent oui, non, mais là, 200 balles. Est-ce que ça vaut un 8X? Une meilleure batterie et deux caméras à l'avant que n'a pas le 8X, mais le 8X a une meilleure caméra à l'arrière. Mais comme il y a l'intelligence artificielle, je me demande si... Voilà, comme je dis, tous ceux qui l'ont eu gratuitement ont dit qu'il était génial ce 8X, et les autres ont dit que les photos étaient pas si bien, si bonnes que ça. Va savoir Charles, avec le PMU. On joue comme on aime. Petit placement de produits gratuit, bien évidemment. Bon voilà, donc demain, et alors du coup, là je suis en train de préparer la review du Huawei Mate 20X. Alors nous, à savoir que on l'a eu en pack, comme il est en partenariat avec DETAC, donc où il y aura un article qui va tomber aussi, peut-être pas ce week-end, parce que j'ai préparé un article pour DETAC, c'est-à-dire si vous venez en Thaïlande, quelle carte SIM. En fait, c'est un article, vous allez comprendre, c'est si vous venez en Thaïlande, comment vous pouvez avoir une carte SIM 3G. Alors bien évidemment, on vous explique comme où vous pouvez acheter une carte, combien vous allez acheter, combien vous coûtez la carte, combien vous coûtez un forfait 4G illimité pour un mois, nanana. Bon, bien évidemment, le sponsor du dossier, c'est DETAC, hein, et ben d'accord, c'est voilà, c'est grâce à eux que machin, nous on a choisi eux parce que déjà c'est à peu près c'est eux les meilleurs, c'est tellement ici, et ensuite voilà. Donc du coup vous pourrez voir ça, il y aura un article, et donc du coup la vidéo tombera lundi en partenariat avec eux, bien évidemment. On fera plein de photos, plein de vidéos. On fera le mode PC qui est dessus pour mettre sur la télé et tout, qui est d'enfer. Donc nous, on a eu le pack avec le stylet qui sert strictement à rien, parce que mais en plus à le perdre simplement. Mais bon, c'est intéressant. Voilà, on parlera de toutes les fonctions. J'ai commencé à préparer ma fiche, tu vois, pour de vrai. Donc il y en a quand même pas mal. On l'a trouvé sur AliExpress. Il n'est pas excessivement cher, 648 euros. En ROM global, machin et tout, avec toutes les fréquences. Donc 650 balles. Franchement, à 650 balles, oh, wow. Je veux dire, ça sera un peu le leitmotiv de la vidéo, c'est que reste-t-il au iPhone, quoi. Parce que c'est une bombasse, le truc. Hein. Haut-parleur stéréo gauche et droite, l'écran 7,2 pouces dans un format... c'est le même format que mon Mi Max, hein, carrément. Il est un peu plus fin, mais voilà, il est aussi grand, à part qu'il a un écran 7,2 ou 6,9.
Le processeur, le Kirin 980, il laisse tomber. Refroidissement au liquide à l'intérieur pour refroidir le truc, parce que premier commentaire qu'on m'a mis, c'est il chauffe. Ah, il chauffe plus. Hein. Je peux te dire, hein. On a fait en toutou, machin et tout. Pff, le truc, il s'est rien passé. Donc voilà, c'est quand même une extrême bombasse le téléphone et tout. Donc on vous verrez la vidéo lundi et on devrait pas être loin d'être les premiers en francophone. Même en anglais, il n'y a pas énormément de personnes qui l'ont vraiment eu entre les mains. Et qu'on fait des reviews, c'est pour faire des déballages de salon et de on l'a vu, en fait on n'y était pas, mais on fait croire qu'on y était, c'est pas. Non, là on l'a vraiment et ça va vraiment devenir mon téléphone personnel. De quoi je vous parlais? Alors demain, oh, putain demain c'est Black Friday. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont relous les Chinois avec ça? Parce qu'en fait du coup, alors hasard du calendrier, bien évidemment, demain c'est le Black Friday, donc on est d'accord que 11-11, il y avait quand même la super promo, là 23, c'est-à-dire 12 jours après, on sort le Black Friday, la promo ultime, machin, attendez tout, le Black Friday. Bon, j'ai encore bien l'impression qu'on va pas être un peu déçu, mais que les prix vont pas être. C'est pas le moment où les Chinois vendent à perte, ce que je veux dire. C'est le moment où les Chinois gagnent peu. Mais les Chinois gagnent déjà très peu, en fait, à cause de la crise et tout. Donc, ils vont essayer de gratter un peu, mais bon, ils vont pas vendre à perte. Et c'est pas des stockages, ce que je veux dire. À savoir que. Cette année, c'est fou. Alors, il y a le 11-11. Hein, le 11-11, ça a vendu, nanana. Là, il y a le Black Friday. Alors, bon, les Chinois vendront toujours pas à perte, mais il y a le Black Friday, nanana. Lundi, c'est le Cyber Monday. Ils sont cons, hein. Cyber Monday. Alors, Cyber Monday, c'est tous les trucs un peu high-tech qui sont à prix cassé. Ok, d'accord. Donc, 11-11, Black Friday, Cyber Monday. Et après, t'as la revanche, t'as le 12-12. C'est tout nouveau. Les Chinois se sont dit, putain, si on faisait un truc le 12-12, c'est rigolo. 12-12, nana. Et après, il y aura le 9-9, le 8-8. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, après, là, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. On aura le 12-12 juste avant Noël, donc le, bah, on nommait notre quatrième, et après il y a Noël, la fête qu'on est obligé un peu tout faire, même les Chinois. Donc là, t'as la main complète, ce qu'on appelle un fist-fucking, un iron fist-fucking, voilà, par exemple. Non, mais c'est un peu n'importe quoi, là, je veux dire, là, ça fait un peu trop de promos. Et après, en janvier, il y a les soldes. C'est ce que je veux dire. Et après, il y a le jour de l'an, la nouvelle année, nouveau téléphone, machin. Après, bah, il y a les soldes, bien évidemment. Février, jour de l'an chinois. Mais t'imagines après, mars, voilà, on arrive au printemps. Avril, ne te découpe pas d'un fil les cloches et tout. Après, le problème, c'est que s'il y a une promo tous les mois, après, bah, les prix seront bas tout le temps et que bah, on n'y arrivera plus. Donc là, ça va commencer à devenir un peu compliqué, les promos comme ça. Bon. On verra ce que ça va donner le Black Friday. Au niveau du code promo, on n'a que de la merde. Au niveau d'AliExpress, j'ai regardé les ventes flash, il y a un peu que de la merde aussi. Mais donc, il n'y a pas mieux que les autres jours. Je veux dire, bon, quand ils font des offres comme ça, ils essayent. Ils vont pas vendre à perte, encore une fois. Donc, on aura des offres qui sont intéressantes, mais pas fulgurantes au point. De Goldorak Go, bien évidemment, tu l'auras reconnu pour donner à César ce qui appartient à Actarus, bien évidemment. Eh ouais, hein. Là, ça fait drôle, hein. Ah putain, que des noms que tu connais, hein. Le problème, c'est que voilà, il y en a plein de noms que tu connais, puis il y en a plein et que noms ne connaissent pas du tout. Ici, ils parlent de quoi, là? Attention, hein. Puissant au bout de l'espace. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est un peu toutes les news qu'il y avait. Rien en film et série télé hier. Rien. Je me rassasie un peu avec YouTube, avec. Voilà. Il y a pas mal de reportages. Surtout pas mal de reportages sur les gilets jaunes où on se rend compte qu'il y a une dérive atomique. Non seulement des gilets jaunes qui. On peut comprendre à ceux qui font chier tout le monde. On est d'accord? Et puis d'un autre côté, les gilets jaunes qui veulent, qui font n'importe quoi. Là, j'ai vu sur la moto, là, le mec qui se met devant la voiture d'autoroute, il se met devant la bagnole et tout, il pile. Alors, l'autre, il enquille et tout. Enfin bon, ça, c'est un peu n'importe quoi. Ça manque de gestion. Bah bon après, voilà. Donc le concept est bon de voir machin, mais après c'est tellement anarchique que du coup, on voit plein de vidéos comme ça où tu te demandes, oui, il faut. Mais après, voilà, il y a un peu, il y a les gens, il faut le faire machin. Puis après, il y a les gens qui disent, attends, tu vas les c'est bientôt Noël, il faut acheter les machins et tout, c'est tout bloqué partout, enfin on peut comprendre qu'il y a une exaspération des deux côtés. Voilà, donc je regarde un peu ça, et puis après entre les envois spéciales et les trucs exclusifs, je vous ai fait un article concernant l'IPTV, et j'ai celui là, comment s'appelle celui qui est en viking là que je vous ai proposé, Vsat, voilà, je suis sur Vsat en ce moment là, je suis très AB moteur. Alors, je savais pas qu'AB Moteur, c'est devenu Automoto. De mon époque, AB Moteur, c'était quand même une petite chaîne câblée. Et avec Vsat, on peut regarder depuis la Thaïlande, machin, AB Moteur sur la tablette. Donc, du coup, je la mets un peu en mode tablette, ici, comme ça.
Et du coup, j'arrive à regarder AB Moteur sur ma tablette et tout. Ça va, ça lag un petit peu de temps en temps, mais pas de temps en temps. Plus de temps en temps, il faut regarder de la pub. Donc, ça freeze, tu cliques, tu as une pub, faut la remettre et après ça repart. Mais bon, à partir du moment où on se dit c'est quand même tout gratuit, on peut quand même regarder un peu de pub de temps en temps. On n'a rien sans rien. Je peux pas vous demander de la pub, puis moi faire, oh, mais non, je veux pas regarder de la pub, franchement, ils m'obligent. Moi, je vous oblige pas. Enfin, je vous pousse un peu, mais bon, je vous motive pas. Voilà. Donc du coup, vous pouvez aller voir cet article-là sur le JT Geek. Ça s'appelle IPTV. Il y a un article qui est bien complet. Pour l'instant, j'ai pas eu de réaction, pas de machin. Donc, tu sais que ça veut dire que tout est bien. Voilà. Et voilà, l'article sur la carte, sur le DTAC tombera ce week-end. Et donc du coup, on fera la vidéo lundi. Ce sera la vidéo. Puis au moment où je fais l'auto-promo, on parlera DTAC, la carte SIM, machin et tout, parce que c'est dans le deal. Et après, on continuera. Voilà, etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, rien d'exceptionnel, donc on se retrouve demain soir, vendredi, à 15h en live, ce coup-là, donc 15 minutes de News Tech, 15 minutes, je répondrai à toutes vos questions, il n'y avait pas énormément de choses aujourd'hui, mais il y en avait un petit peu quand même. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, profitez bien de la vie, profitez bien d'Internet, profitez bien d'aller regarder les pubs sur Utip, par exemple, il y a des fois qu'il y en a une nouvelle, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri. Je vous souhaite une bonne soirée, paix et prospérité, ou poutre en platane, et puis forcément, que Dieu est béniste. Que Dieu vous bénisse, oui, bah c'est bon. Quoi qu'il bénisse, ça se tenait avec la croix et tout. Enfin, non, laisse tomber. Non, bah attends. Non, mais ce soir, je vais donner un radeau en banane. Je suis pardonné complètement. Paix prospérité, à demain. Allez, Utip, Tipeee, et hop, un petit like et un petit commentaire. Bye bye.